Max presents Gumboy Tournament. Bonsoir à tous. Donc, et bonne année aussi, bonne année à tout le monde, à tous ceux qui sont là pour me suivre. Bon, on va essayer d'égayer un peu la journée, ça a été un peu spécial aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé. On va essayer de mettre de la bonne humeur. En déballant aujourd'hui les cadeaux du Santa chez Fer. Bon, ça commence bien parce qu'apparemment il y a un petit problème de vidéo parce que je vois que c'est noir. Et je ne sais pas pourquoi. Ça marchait très bien quand j'ai testé hier ou avant-hier, je sais pas quand. Bon allez, j'excite le game. Ah, ça commence bien. Oui, je sais qu'on voit rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça marchait bien l'autre jour. C'est de la merde. Et espérons que ça va mieux marcher là. Oui, loading. Là, ça part bien. Ah, Gunboy Tournament ne répond plus. Ah si, il répond. Putain, pourquoi? On est bien dans la Santa Booze, hein. Ça commence très très bien. Non, c'est pas un problème d'ordre, puisque ça c'est... Le début s'affiche. Ok. Oh putain, ça commence bien. Il y a bien le son. Oh là là, ça marche rien. Oh, Santa chez Fer, putain de merde. Non mais c'est quoi ce truc là? Ça marchait bien l'autre jour. Bon, on va tenter autre chose. On va tenter autre chose. Au pire, on passera directement sur Rise. Hein. Ah, mais ça marchait quand j'ai testé il y a 3 jours, quoi. Ah ouais, mais dans les processus, en fait, j'en vois plusieurs de Gumboy Tournament. Je crois qu'ils sont pas arrêtés. Alors, attendez. Est-ce que... Ah, ça marche. Voilà. Voilà. Donc vous avez la bonne petite musique et vous avez l'image maintenant. Ok, on va commencer. Bon, j'ai joué 5 minutes, hein, c'est un peu le... C'est spécial. Hein. Apparemment, bon, ça se peut jouer en LAN et sur Internet. Si on veut jouer à plusieurs. Hein. Bon, moi, j'ai joué tout seul. Hein. Je continue, ouais. Alors, je vais essayer là d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut choper des diamants pour faire des points, pour gagner. Je crois qu'on a des ennemis. C'est assez spécial. Hein. Je remercie d'ailleurs CDE pour ce magnifique cadeau. Et j'en profite aussi pour remercier Gabe Newell qui m'a offert Rise et non pas Half-Life 3 comme je l'avais demandé au Père Noël. Mais bon, je n'en veux pas trop. Ce sera quand même très bien, hein, Rise. Ouais, donc on commence avec Gunboy Tournament. Donc là, hop, c'est parti et il faut s'accrocher et avoir des diamants quoi. Ah, on peut accélérer, voilà, tac, on peut sauter. Je n'arrive pas à contrôler mon truc. Allez, saute. C'est ma Santa Booze, hein. C'est pas trop pourri comme jeu, franchement. Disons que c'est un jeu qu'on pourrait jouer au chiottes quoi sur un téléphone portable. C'est pas mauvais, ça accroche bien pour des parties rapides, c'est pas... Bon, par contre je pense que ça se manierait peut-être mieux peut-être au tactile qu'à la souris là. Ah, saute. Il y a le petit bonhomme qui s'approche aux parois. Chaque coin de point là, 800. Oh putain, il est en train de me battre là, le foiré. Allez, saute. Je sais pas si on peut jouer à la manette. En fait, il m'a prouvé ou la souris ou les flèches du clavier. Bon, j'ai pris directement la souris. Ah, il m'a volé mon truc. Ah,
Heureusement que c'est le truc facile, hein, parce que pour l'instant, j'arrive à me faire poutrer en plus par mon adversaire. C'est long. Ah non, c'est un speed-up, ça, je m'en fous. Ah, m'a volé. Mais... ah, j'ai perdu. Ah, ça commence très très bien, ce... ouais, je me suis fait violer par l'IA. Difficulty, je suis à 1, quoi, en plus, ça. C'est... honteux. C'est juste honteux. C'est honteux, c'est très honteux. J'ai honte de moi. Je vais essayer de mieux contrôler. Ah, saute! Et saute! Je ne lis pas trop le chat là, je suis très concentré. Ah! Ça a l'air bondi en plus. Allez! Ah! Chope-le! Non, il y a moi! Bon, ne vous inquiétez pas, on va pas jouer 2 heures à ça. C'est bien pour passer un petit moment. Ouais. La musique est bien pourrie, je trouve quand même. Ah, saute! Allez, chope le speed up. Ah, c'est moi qui le viole là, hein! Mais où? Je sais même pas où ils sont les trucs. Ah! Ah! Ah. Voilà! Hop! Voilà! Y'a combien de maps? J'en ai aucune idée. Je crois qu'on débloque au fur et à mesure les différents levels, quoi. Tu vois, je peux même pas le voir. On peut faire des practices. Level 1, level 2. Y'a pas grand chose. Hein. Je peux même pas. Je peux régler les détails, c'est bien. Ouais, alors dans les langues, on est assez limité. Hein. Faut aimer parler le tchèque ou le slovaque. Hein. Screen, ouais, on va tout laisser pour défaut de toute façon. Ah ouais, on peut jouer au joypad, ouais mais non, j'ai pas envie. Donc voilà, il n'y a pas trop de choix. On peut... franchement, on est obligé d'y aller un par un. Je sais même pas combien il y a de niveaux en tout. Bon, allez, on va faire un deuxième niveau. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes de jeu. Il y a un Capture the Flag. Ouais, c'est spécial. Slovène, j'ai dit quoi, Slovaque? Ah. Hop. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, saute. Ah, il veut pas s'accrocher. Ah, c'est quoi ce truc là? On va le choper lui? Ah, Manitizer. Ah. Bon, ça va pas très vite. Hein. On va un peu freiner en cliquant. C'est pas très dynamique comme jeu. Hop. Ah, merde. Allez. Bon, je finis ce niveau, c'est pas super passionnant, je suis pas sûr que ça... ça enchante tous les spectateurs, c'est pas passionnant de voir jouer à ça. Mais bon, c'est ma bouse, hein. J'y joue, j'avais dit que je streamerais ma bouse, donc je stream ma bouse. Mais pas pendant 2 heures. Hein. Je tiendrai jamais à jouer à 2 heures à ce truc. Hein. Le pire, c'est qu'il a de bonnes critiques sur Steam.
Allez, accroche-toi là. Ouais, quand tu veux, tu... Mais... Je me fais encore violer par l'IA, quoi. Ouais, j'ai 1500 points, génial. Mais, allez, descends, descends, descends. Mais. Voilà. 1900 points, allez. Ouais, il va les choper les derniers 50 points là. Ah, ça file même pas des points ça. C'est qu'il y a des trucs là-haut, ouais. Ouais, j'ai gagné. Je propose qu'on s'arrête là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui regardent encore ou si tout le monde s'est barré. Mais je propose de switcher sur Rise. Après 10 minutes de jeu. Au pire, si on s'ennuie dans la soirée, on reviendra à ce jeu. Mais là, je vous ai montré. Voilà, c'est Gunboy Tournament, c'est que ça comme. Quoi que ce qu'on peut essayer, c'est. Y a-t-il des joueurs sur internet qui jouent à ça? Ah, il y a un joueur en République tchèque, Cinemax, qui joue à Gunboy Tournament. D'accord, il y a un seul serveur en République tchèque. Y a-t-il des joueurs dessus? Ouais, bon, on va arrêter là, c'est pas la peine. On va passer sur Rise. voilà. Bon, allez, on arrête là. On va lancer Rise à la place. Rise, où est-ce que j'ai mis Rise? Il est là. Par contre, il faut juste que je rafraîchisse. Est-ce que vous voyez quelque chose? Attends, pas grand chose parce que Rise est planté. Ah, c'est bon, ça marche. Ça démarre. Donc là, je vais prendre la manette par contre pour jouer. Pour info, j'ai joué que à peu près une demi-heure. J'ai fait que le premier niveau qui est grosso modo le tuto. Où on voit notre personnage principal que j'ai oublié le nom. Qui doit protéger l'empereur où Rome est assaillie par des barbares. Et la deuxième mission, là, je suis au tout début. C'est un flashback, il se remémore ses souvenirs quand il était jeune soldat. Et pareil, on voit son père et la ville est attaquée par des barbares et on doit aller tuer. Pourquoi ma manette marche pas? Ah putain. Ma manette ne marche pas, elle est bien branchée pourtant, elle est bien allumée. Oh là là. Ah, ça va. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Que des problèmes techniques aujourd'hui. Alors, plusieurs modes de jeu. Campagne. Ça, c'est. Ouais, alors, campagne, histoire principale, gladiateur, le mode multijoueur. Et ça, c'est pour la personnalisation des héros, du héros. Où on peut améliorer avec des XP, les exécutions. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là, je suis au tout début, j'ai pas encore acheté grand chose. Donc on va relancer le jeu, voilà, on va continuer. Donc je me suis réservé pour le Santata, je suis pas allé très loin. On va découvrir tous ensemble. Petit
fiche chargement un peu longué quand même. Quand tu veux. Non, j'ai rien fait à mon stream. Pourquoi Astrain, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait de spécial normalement, hein. J'ai pas eu plus de débit, hein. Je suis toujours au même débit, non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Le jeu, j'ai un SSD, mais le jeu est pas sur un SSD, Castor Malin. J'ai pas voulu dépenser mon SSD pour ça. Je vais juste revoir les commandes que j'ai oubliées. Ouais, Y, X, c'est les attaques rapides et grosses. BG esquive, HDV. Je sprint. Je vise avec LT, ouais, c'est ça. Et les exécutions, c'est avec RT. L'exécution qui nous sert tout le temps. Non, j'ai rien fait à mon stream parce que tu me dis qu'il peut pas passer par XBMC. Non, j'ai rien fait de spécial. Peut-être une mise à jour de l'API de Twitch. Je crois que Livestreamer était pété il y a quelques temps. Il y a une mise à jour. Peut-être la même chose pour XBMC. Regarde s'il n'y a pas de mise à jour pour Twitch. Mais non, j'ai rien fait de spécial. Après, j'ai pas touché. Je crois que je suis même pas en mode QuickSync. J'ai laissé le mode X264. J'avais testé QuickSync. Je l'ai pas activé là. Bon, voilà. Hop. On y va, on reprend. Alors graphiquement, je dois être tout taqué. Si je regarde graphisme, je dois être tout taqué sauf le flou cinétique que j'avais désactivé parce que je peux pas gérer ça quand c'est flou. Mais sinon, je suis au max. Je suis au max de tout. Mais il n'y a pas trop, je trouve, d'options pour un jeu Crytek. Sur les Crysis, il me semblait qu'il y avait plus de trucs, plus d'options. Bon. Là, je suis au taquet, j'ai pas activé non plus le suréchantillonnage, faut pas abuser. Faut pas abuser, c'est ça, je suis personnalisé, je suis en très haute, un peu interpolation, plein écran, j'ai pas la V-Sync. Je sais pas combien je tourne de FPS, plus de 60, je crois. Et graphiquement, pour l'instant, j'ai pas été vraiment bluffé graphiquement. Peut-être que ça va venir, c'est très joli, c'est très beau, hein, mais. Mais je suis pas plus estomaqué que ça. Peut-être parce que la direction artistique est pas non plus exceptionnelle. Hein. Oh, c'est des gladiateurs. C'est des Romains. Je trouve que God of War, pour ça, avait plus de gueule, quoi. Ça sortait plus de l'ordinaire. Voilà. Après, comme avait dit Castor Malin, je crois, qui avait testé le jeu aussi. Bon, là, tu vois, je marche dans une flaque et il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est vraiment une texture qui est plaquée. Il n'y a pas de vie quoi, après je peux taper, voilà, tout c'est vraiment indestructible, hein. Ça je l'ai vu assez de suite, à part quelques urnes qui permettent de débloquer de l'XP. C'est assez statique. Donc voilà, on va chercher Léontius. Donc la ville est attaquée par des barbares et voilà. Petite cinématique. C'est la voie de ton destin. Cours. Pour l'instant, l'histoire a pas l'air géniale. Bon. C'est plus un prétexte à tuer des barbares qu'autre chose, ce que j'en ai vu. Je sais pas si ça va s'améliorer dans le jeu. Alors.
Voilà, on peut casser des urnes. C'est tout ce qu'on peut casser en fait dans le jeu. C'est... là, je peux choisir en fait avec la croix. Si je... avoir un gain de... un gain de santé, un gain d'XP ou un gain de je sais plus quoi, un gain de dégâts à chaque fois que je fais des exécutions. Donc par exemple si ma santé baisse, hop je passe en mode santé et à chaque fois que je vais faire une exécution je vais regagner de la vie. Et par contre si ma santé est au max, ben, je vais plutôt jouer sur l'XP ou sur les bonus d'attaque. La deuxième, donc la barre du haut en rouge c'est la santé, la barre du bas il me semble que c'est la rage, un truc comme ça, mais je ne sais même plus comment on l'active. Comment on active puissance de rage RB, ça doit être ça il me semble. Ça doit être un super mode, je suis en colère. Faudra tester. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Et voilà que je viens de déverrouiller un nouveau trophée. Album photo. Voilà, je peux casser des urnes. C'est les seuls trucs que je peux casser dans le jeu. J'ai des gains de rage. Donc attaque rapide, attaque bourrine avec le bouclier. Là je pars en appuyant sur A et B esquive. Voilà, il esquive. Il fait comme dans The Witcher, il roule, il roule, il roule. Bon, on va pas casser toutes les urnes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Encore un autre succès quoi, 2 minutes, 2 succès. Pff. Ah ça y va quoi. Déjà je crois que j'ai joué une demi-heure, j'ai gagné 8 ou 9 succès. C'est assez impressionnant la vitesse où on gagne des succès dans le jeu, quoi. Il y en a partout. T'appuies sur un bouton, tu gagnes un succès quoi. Allez, pim, casse. Salut Shibo, salut Soleil. Bienvenue au stream de Santa Schaeffer. Vous avez raté la bouse, j'ai tenu franchement 10 minutes, un quart d'heure sur la bouse, pas tenu plus longtemps. On verra si on y revient en fin de soirée ou pas, je pense pas. Au pire, y a le replay pour voir la bouse. Ah ah ah, un nouveau truc. Vue déverrouillée. Allez, c'est parti. On attaque, on attaque, on attaque. Ah. Alors, grosso modo, ils attaquent un par un. Ah merde, j'ai pas vu celui de derrière là. Hop, et là j'active le mode exécution. Ah. Bon, mode exécution c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur la touche de la couleur de la manette 360 pour... Ah mais je suis une quiche là aujourd'hui, je suis pas concentré là. Et là normalement j'ai gagné de la santé. Hop. Ouais, apparemment le stream fait des à-coups bizarres aussi, je vois sur la fenêtre de d'OBS, alors que ça le fait pas en jeu, je sais pas pourquoi. Ça me semblait pas que ça le faisait non plus quand j'avais testé. Il m'arrive que des problèmes techniques ce aujourd'hui. Attendez, je tente un altab. J'altab rapidement. Il y a des problèmes techniques aujourd'hui. Alors que c'était à peu près fluide l'autre jour. Est-ce que c'est mieux? Peut-être un peu mieux. Peut-être il y a moins d'à-coups, on dirait. Je sais pas trop. Bon. J'ai pas trop de frame drop.
Bon, espérons que ça passe. J'espère qu'un jour j'arriverai, j'aurai un peu plus de débit. Allez, prends ça. Hop. Bon, là j'ai fait une exécution de soldat. Donc là, hop, j'active le mode XP. Donc en fonction si j'ai beaucoup de santé ou pas, comme j'explique, j'active... Ouais, ouais, on s'en fout. Si j'ai de la santé à fond, donc j'active le mode XP ou le mode... mode rage, mode dégâts. Et si je veux augmenter ma santé, hop, à chaque fois que je fais une exécution, j'active le mode santé. Voilà, c'est toujours pareil. Donc à chaque fois, je vais en gagner quand je fais une exécution et que je la réussis plus ou moins. Donc plus je vais être rapide pour appuyer sur les touches, plus je vais gagner d'XP et de bonus. Pour l'instant, non, je n'ai pas d'autres armes, j'ai que ce glaive pourri et ce petit bouclier. Il n'y a rien qui se planque là, j'ai tellement de trucs à débloquer. Bon, en même temps, c'est vert fluo les trucs à débloquer, hein, c'est toujours pareil. Donc là, c'est vraiment indestructible, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver Platus, il y a une grosse flèche de toute façon à chaque fois. Il faut grimper. Oh, il crème tout seul en plus. On n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Hein. Ouais, dans le tuto, j'ai eu accès à un lanceur de... je sais plus comment ça s'appelle. Un truc qui se lance des javelots, quoi. Qui était une vraie mitraillette pour l'époque. Hein. Ça lançait des javelots à peu près 60 javelots par minute. Touf, 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 touf. Hein. Une vraie mitraillette à javelots. Ah, Zad, salut. Franchement, elle... on voit quand même qu'il faut péter le truc, il n'y a pas besoin qu'ils nous mettent une vieille couleur bleue pour dire appuie sur la croix, le bouton bleu de ta manette 360. Eh, franchement, on n'est pas débile quoi. On sait que t'as une barrière, et il faut appuyer pour la détruire. Enfin, ça nous prend vraiment par la main. Donc c'est par où? Que par où c'est? Que par où on doit tuer des barbares. Hop. Platius, il est dans l'amphithéâtre. J'ai quelques... je saccade un peu chez moi aussi. Il n'y a rien qui se cache, pas de trucs. Ah, voilà. Et un troisième trophée de la soirée. Passion secrète. Je ne sais pas ce que c'est. On peut les voir. Ah, objet à collectionner. Donc on a des chroniques, des vues, des musiques, des parchemins. Ça a l'air intéressant. Hein. Ouais. Chronique. Débloquer des trucs. Ok, d'accord, faut finir le niveau pour la chronique. Ouais, des artworks et des musiques. Ah oui, d'accord, c'est les musiques du premier niveau. Comme j'ai fait que le premier niveau, pour l'instant j'ai débloqué les musiques du premier niveau. Oui, je sais, j'appuie sur la touche justement pour sprinter là, pas besoin de me le redire hein. Y'a quoi qui se cache? Rien. Ah, du javelot. Ouh, un méchant barbare. Ah, des pilums. Alors, vas-y, prends le pilum. Ouais.
Ah ouais, franchement, il n'y a pas besoin de trop viser, quoi. C'est... Waouh. Ah, y'a plus de pilum. Allez, pilomise. Ah, c'est vraiment... La hitbox est large, hein. Ah. C'est tout. Y'en a encore. Qu'est-ce que tu attends? Le public. Tac. Ah, descends pas. Ouais, il a... C'est pas ultra facile à manier. Il a l'inertie, le perso, pour bouger. C'est pas comme on a en God of War. Ah, RB, le mode rage. Appuyez sur rien, hein, quand vous exécutez un ennemi. Ok. Voilà, petite exécution. Ah, ça c'est le mode rage. Donc il se ralentit un peu, ouais. Les exécutions sont assez sanglantes. Mais ça manque quand même de membres tranchés, je trouve. Bon, comment je lui pète son bouclier, lui? Ah! Voilà. Voilà. Non, 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 non. Bon, allez, viens. Voilà, je te contre-attaque. Ah, j'ai du mal avec lui. Ah, voilà. Membre tranché. C'est ça qui manquait. Alors, qu'est-ce que vous me racontez sur le stream, hein? Bonsoir, couchotte. Oui, je joue au pad. Oui, c'est un jeu Xbox One. Je vais pas jouer au clavier. Hein. C'est un jeu console à la base. Donc là, j'ai des pilums. Y a rien qui se cache par là. Oui, j'ai compris que c'était pour là. L'amphithéâtre est quand même pas grand monde, hein. Un peu vide. Objectif, tuer les barbares. Au moins, c'est clair. Bam. Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle Marius, le mec. Pas sexy comme nom de héros. Ça fait très, très Marcel Pagnol, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pile homme en combat. Hop. Ah, merde. Ah. Merde, je suis trompé de touche. Bon, voilà. Ouais, j'ai fait une exécution de... Oh là! Ah ouais, merde, il est en rouge, lui. Allez, viens. Ah merde, tu fais le kéké là. Je fais le kéké, je me prends des coups. Euh...
Nous sommes coincés, Marius. Fais demi-tour et abaisse. Ouais, vous avez vu, on peut rouler bien avec un bouclier, hein. Ouais, il y a même des tacs déjà à l'époque. Ouais, je dirais pas quand même qu'il faut, il faut quand même les deux mains pour jouer. C'est à mode normal, c'est simple. Pour l'instant, je galère pas. Bon, c'est que le début du jeu, mais après, je dirais pas peut-être dans les niveaux supérieurs. Hein. Il doit y avoir quand même plus de difficultés. Ouais, c'est quand même beau. C'est bien foutu. Il y a des beaux pavés. Allez, on va baisser le pont. Il n'y a rien de caché par là. Pas de petits trophées. Non, on s'en fout. Abaisse le pont, Marius. Aide-moi à passer. Oui, papa. C'est bien. Continue. Oui. Va au forum, Marius. Ne t'arrête sous aucun prétexte. Ah, casse la chariote ou quoi? Ah ouais, d'accord. Faut la pousser, faut pas la taper. Moi je suis un bourrin, je la voulais la péter quoi. Des barbares. Ah mais... Mais attaque celui-là. Hop, on va couper. Pète écho dans la tête. Hop, je roule, je roule, je roule, je fais comme Geralt. Et, oula, oula, oula. Mais j'y vois rien. Et voilà. Alors, ouais, c'est ça, t'es une arme à toi tout seul, tu les égouilles tous. Et là encore, t'es un jeune soldat, t'es même pas un grand centurion comme t'as dans le premier niveau. Hein. Là, tu commences à peine, t'as à peine ton armure, et tu zigouilles tous les barbares à toi tout seul. Hein. T'as en plus un petit glaive tout pourri, un bouclier en bois. C'est... Bon, hein, j'arrête de chercher les collectibles, m'en fous, quoi. Ouais, mais c'est cool, j'ai pas acheté cette touche sur la manette 360, j'ai pas acheté la manette One. Ouais, c'est select. Ouais, je peux améliorer mes compétences. Style, je peux acheter de la vie. J'ai 84 000 trucs, ah ouais. Ouais, allez. Tu peux l'acheter avec de la bravoure et de l'or. Par contre, je ne sais pas l'or, comment ça marche. Je n'ai pas d'or, peut-être qu'il faut payer in-game. Allez, sur le mode de la vie là. 10 000, ouais, allez, j'en ai plein là. J'achète. J'achète de la santé, la rage, je m'en fous, ça sert à rien. XP. Quoi? Un point de rage. Bon, allez. Combat, ça sert à quoi? Capitaine inventaire, projectile, ça sert à rien les projectiles. Mode aigle de feu, ah ouais, c'est quand on fait des coups parfaits, on s'en fout.
Je crois par contre qu'on peut améliorer les exécutions. Donc là, en achetant des trucs, on améliore les exécutions. Simple ou double. Style qu'on va acheter, bah j'ai plein de trucs. Hein. Allez hop, rage, XP, on achète, bam bam bam. Ah, j'en ai pas assez, tant pis, on va continuer. Oh, le jeu c'est un gros couloir, hein. C'est... Il n'y a vraiment aucune liberté. On sait même pas qui c'est barbares, on dit juste c'est des barbares, voilà. C'est des barbares, va les zigouiller, on sait pas qui c'est. Des Visigoths, des Ostrogoths, des Berbères. Je ne suis pas un spécialiste de l'époque, donc désolé si je dis des bêtises. Hein. À part Astérix, je ne suis pas un spécialiste de l'époque. Déclenche, ah oh. Ah merde. Je fais de la merde, je me trompe de touche. Je suis pas concentré. Là. Par contre, il n'y a pas trop d'ennemis différents, hein. C'est tous les mêmes quoi. J'aurais pu un peu varier les skins quoi. Ah merde, j'ai pas vu celui-là. Ah mais. En plus, t'esquives toi. Ah, ça c'est la double exécution là. Bah, les pièces de fric, je sais pas si c'est des microtransactions ou pas, j'ai rien vu en fait dans les... À aucun moment pour acheter des trucs. Ah non, ça doit être pour le multijoueur, je vois 0, 1, MJ, ça doit être multijoueur, voilà. Ça doit être, on doit gagner de l'argent quand on joue en multi. Voilà, c'est ça. Et sinon, ouais, ça gicle pas trop le sang, c'est pas en God of War, ça manque vraiment de gicler. Après, je sais pas s'il y a des microtransactions par contre sur la version One. En tout cas, j'ai rien vu pour l'instant sur la version PC. Ah, mais bah, il en reste encore quoi! Ah, merde, j'ai pas déclenché au bon moment. Allez, déclenche! Ah, il reste quelques mecs vivants. Prenons un peu de temps pour observer l'architecture de Rome. Ou de je ne sais pas où on est. C'est beau quand même. Le héros a une sale gueule, mais son armure brille. Oui, papa, j'arrive pour t'aider. Tu dois sauver Rome.
Sauve-la de... Sauve-la, Marius. Bon, le mec, une demi-heure, vient de perdre son père et sa mère. Barbare! Espèce de sale chien galeux! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e. J'ai combattu aux côtés de ton père. Viens avec moi. Tu vas devenir un général. Verser le sang. Je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des taureaux. T'es dans la 2e, n'est-ce pas? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat. Oh là là, ça doit devenir un meurtrier, le mec. On s'y attendait pas. Et encore un trophée, ça doit être le 4e ou 5e de la soirée. Ah là, on revient au premier niveau où il parle justement à l'empereur. En tant que soldat de la 14e, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avaient massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la 14e Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection. Ça manque quand même un peu de monstres mythologiques quoi, le jeu c'est vraiment que des barbares. C'est pour ça que j'aime bien les God of War où t'as des monstres issus de la mythologie, là c'est vraiment barbare, barbare, barbare. Quelle belle texture par terre. Désolé l'ami. Observez ces magnifiques graphismes. Cette eau qui est moche. Cette texture de caillou qui est ouais, pas trop mal foutue quand même. Ouais, c'est plutôt joli quand même. Ouais, il y a de l'eau, il y a des combats, ouais. Les fonds sont quand même assez jolis. Pas trop mal. Si nous n'abattons pas cette tour, notre flotte sera détruite. Ouais. Oh,
Un squelette, tu sais pas ce qu'il fout là, mais bon. T'as fait un moment qu'il est allé. Par contre, c'est vraiment tout droit quoi. Pour l'instant, j'appuie tout droit, tout droit, tout droit, et il fait tout seul quoi. C'est où là, la Bretagne? Chez les Anglish? Ouais. C'est moche chez eux. Ok. Ah, d'accord. Et encore des barbares. Merde. Ah! Ah putain, je contre pas. Heureusement qu'ils te disent de quoi. Ah voilà, c'est ça les couloirs. Par contre, c'est toujours les mêmes barbares, hein. Ah merde. Ah bah les plages britanniques, c'est pas beau à voir. Hein. Est-ce que quand je marche dans le... Est-ce qu'on peut appeler ça sable? Plus de la boue quoi. Non, ça laisse pas de traces, c'est pas dynamique là, le bousin. C'est joli, mais c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est pas... Si, il y a quelques empreintes qui restent, qui sont... Qui font un peu tâche, mais bon. Ouais, c'est pas trop dynamique. Ouais, on continue. C'est quand même assez joli. Ouais, franchement, par contre, les barbares, ils ont 3 skins différents. J'espère que ça va changer, ça. Ouais. Allez. Je roule. Je fais comme dans The Witcher, je roule. Allez, saute! Allez, roule. Ah, il y aura du clin jusqu'à la fin là, parce que franchement, c'est moche. Ils auraient pu baisser un peu les graphismes, mais je sais pas. Faire un peu plus de persos différents quoi. Ah, je t'ai pris par surprise, hein. Allez, bim. Allez. Ah merde, je suis trompé de touche. Bon, je suis pas concentré là. Je ne suis pas concentré.
de chercher les survivants. Je vais m'occuper d'eux. Encore raté! Ah. Ça fait du bien un peu de tranquillité sur la plage. On va profiter du soleil, bronzer un peu, non? Soldats, écoutez, la flotte est détruite. La plage est tenue par l'ennemi. Nos hommes se noient dans ces eaux. Il faut se replier. Centurion, mort, mort, il doit être mort. Hop, roule, roule, roule. Et je roule, et je roule, et je roule, et je roule, et je roule. Allez. Est-ce que je peux les avoir, ceux du fond là-bas? Non, c'est des... Ouais, non, tu peux pas les avoir. Ils... Je roule, je roule, je roule, je roule. Hop. Allez, roule. Roule, 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 va à l'abri. Hop, 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 hop. Ah merde, je suis attaqué là. Ah mais ils arrêtent les archers là. C'est par où? C'est par où? Je ne sais même pas par où c'est ça. Ah mais il faut que je protège les mecs là-bas quoi. Oh. Suivez-moi. Ah d'accord, bon, il se démerde tout seul. Écoutez-le, sans Marius, on serait tous morts. Arrière, on se replie. En avant. Nous sommes presque à la tour. Formation. Ah, il faut choper le drapeau pour faire un... Préparez, bouclier. Tenez bon. Soldats, tenez bon. Et on bouge un moment où... Résistez, voilà. Résistez. Bon, on résiste, hein. Gardez la formation. On fait un truc à un moment. Ah ouais, faut avancer au fur et à mesure. Ok, je commence à comprendre quoi. Faut pas accélérer un peu là. Allez, accélère un peu là. Allez, accélérez, Zoé. Ouais. Nous allons détruire cette tour. En avant. Oh, je... J'attaque là. Ah,
Ah oui, je soulève juste. Bam. Il avait eu ça un coup de pied et c'est bon. On doit passer les archers. Tuer les archers, oui. Cette tuerie quoi. Oula. Mais on a des ennemis qui arrivent. Les archers. Au revoir. Ok. Jusque là, c'est un gros massacre. Oh. Ah, t'es encore là, toi ? Hop, 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 hop. Oula. Et là, je gagne un peu de vie, normalement, voilà. Ah. Ah. Oh, je contre là, j'ai appuyé sur la touche. Je n'oublierai pas. Oh. Il en reste encore. Oh, ils aiment ça quoi. Va, ils sont tous morts. Contrepoids en position. Ah, c'est bon. Petite cinématique. Ses potes ils crèvent à côté, il en a rien à foutre. Hein. Avec moi. En avant. Ah
Ah, c'est pas la séquence qu'ils avaient présentée à démo, la présentation du jeu, ça? Ah, il me semble, ouais. Ouais, on fonce, ouais, on roule, on roule, on roule. Moi, sur le champ de bataille, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Tac, 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 t'as vu ça? Là, non, c'est pas scripté, quoi. Ah, graphiquement, ça en va bien, quand même. Ouais, ça, c'est vraiment la séquence du débarquement Call of Duty ultra scripté. Oh, le bateau qui s'écrase sur la côte. Ouais, ça, c'est la séquence pour les salons, quoi. Oh, vous avez vu comment la séquence, elle est trop belle. Les mêmes quoi, c'est plus barbare. Vraiment qu'on s'engage ces mecs, hein. Tous la même tranche. Ah non, 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 là je suis pas concentré. Ah, je tremble à tes touches. Ouais. Je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Hop, j'échappe des javelots. Hop, je roule, je roule, je roule, je roule. Tac, tac, tac. Ah oui, on peut faire la tortue là. Formation, avec moi. Ouais, tortue, 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 tortue. Tortue. Oh, on a le temps, quoi. Allez, on avance, allez, pop, 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 pop. RT. Ah, on peut là. Ah, on peut lancer les pylônes à distance, quoi. Strike. Ah salut Rada, wow, t'as raté la boost du début et... Ah ça c'est un beau strike. Bam. Ouais t'as raté la boost du début et t'as raté beaucoup de massacres entre temps. Mais là on est en plein dans la séquence Call of donc c'est bon quoi. C'est Gladiator, débarquement allié. Ah, ah. Il faut tenir cette barricade jusqu'à l'arrivée de nos archers. Mais descends pas, abruti, il y a un truc à récupérer là. Ah, il y a un bouclier qui brille en vert là, faut que je le récupère d'abord. Allez, soldats. Allez, go, go, go. En avant. Allez, en avant. Quand je l'aurais raté, il y a un truc là. Allez,
Bon, allez, foncez les mecs là, vous attendez quoi là? Ah, il faut se les faire à distance là. Ah merde. Ah, il faut se... Oh, 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 c'est chiant là. Oui, oui, mais roule. Mais pas lui là. C'est chiant pour viser. Là. Ah, le moral, le ram flinche. Faut faire quoi là? Bah, je peux pas tout faire en même temps là. Il roule pas. Mais il récupère! Oh! Ouais, d'accord. Non, ça c'est le Santata. Non, la Santa Boost c'était Gun Boy Tournament. La séquence a l'air très chiante. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Faut tenir cette barricade jusqu'à la... Ouais, d'accord, il faut tuer les archers. Légionnaires, formez une ligne. Allez, soldats, prenez ce fort. En avant, allez, en avant. Mais ouais, c'est une séquence bien relou, quoi. Ah, c'est bon là. Allez, vas-y. Putain. Séquence ultra relou. Mais putain, je veux récupérer les trucs. Ah bah, j'ai plus de trucs là. Oh merde. Bien sûr, c'est là où il en profite pour se foutre en dessous. Bah ouais, 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 mais bon. Bon, attendez, ça me gonfle un poil là. Normalement, il me semble que je peux. Voilà, capsule alimentaire, c'est ça qu'il me faut. Alors, acheter. J'achète un max de javelot. Voilà, comme ça, j'en récupérerai moins. Mais récupère au lieu de faire ton coup là. Oh le truc. Eh hey, mais. Ouais c'est bon, ouais. Pas trop tôt. Qui va reprendre les combats? Ouais, c'est vrai qu'à l'époque Ikasto avait fait un putain de CR pour ce jeu, mais. Ouais, c'est un jeu console, c'est sympa, mais ça vaut pas dans les beat'em all un Bayonetta, un God of War, un Metal Gear Rising Revengeance, voilà quoi. Bon, on fait quoi les mecs là? On se la touche, on attend? Faut qu'on tourne, faut pas qu'on tourne. C'est quoi l'objectif? Ah, c'est parfait quoi. Bon. Ah non, je vais sûrement contrôler avec ça là, je suppose. D'accord. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Frontière de séparation, vous avez encore un fort, encore à corps. Et sinon. Oh, je m'en fous, moi, je corps à corps, je les zigouille tous, moi, je sais. C'est à distance que. Qui me gonfle.
Ah merde, je lisais le chat, je regardais même pas ce qui m'est arrivé là. Ah. Oh mais je me plains là, je suis pas concentré. On n'a pas pu différencier du jaune et du bleu quoi. Ah merde. Bon on va hop. Petit mode rage, tac tac tac. Paf paf paf. Je passe un match en colère. Ah merde. Annule, annule, annule. Bon, c'est pas grave. C'est quoi le mode rage, c'est ça? Ah merde, j'ai pas vu celui-là. J'ai gagné. Allez, la tour. Par où? Par là-bas. Bon, ça doit être par là. Faut aller à la catapulte. Ça enfonce dans le tas. Allez, cramé! Ouais, c'est pas ultra kiffant, enfin c'est sympa à jouer, mais pour l'instant c'est répétitif et c'est pas exceptionnel quoi. C'est beau, mais ça manque de rythme. Il y a trop de QTE, je pense. On dirait un jeu d'handicapé où ce que tu fais c'est pas difficile en fait, et t'as l'impression d'être pris pour un demeuré. Ça fait pas vraiment parler ton skill quoi, c'est QTE, tu bourrines deux touches, tu contres quand les mecs s'approchent et... Ah merde, ils sont où là? Ne le laissez pas. Par où? Ah d'accord, faut qu'ils abaissent la truc là.
Mais non, tu vois, par exemple, là, c'est super chiant parce que il y a le truc vert, mais je peux pas prendre de javelot à part que je sois déjà plein. Voilà. A plus, Ed. Moi, je pourrais pas, Alien. Je préfère Rise. Les jeux d'horreur, non, c'est pas trop pour moi. Le peuple appréciait votre père, Marius. C'est un honneur de servir son fils. Par ici. Mais je suis un pauvre légionnaire à la con, en plus. Oh, c'est trop beau, graphiquement. Montez, vite ! Des barbares, encore des barbares. Ouais, c'est vrai que dans le style j'ai beaucoup préféré Shadow of Mordor là, comme tu dis, Quickshot. Là je l'ai joué 20 heures et je me suis bien amusé quoi, c'est... Je l'ai pas streamé, j'aurais peut-être dû... Peut-être dû faire un stream dessus. Je vais voir si je le réinstalle un jour. Peut-être faire un stream. Et protéger la catapulte quoi, faut que... D'accord, faut aller là-bas. Ah, la fameuse mitraillette. Ouais, Shadow of Mordor dans le style est mieux je trouve. La fameuse mitraillette 4... Vous avez vu la vitesse où il se recharge le truc là? Pum, pum! C'est une Kalachnikov quoi. Ah merde. Mais je contre là. Là j'appuie sur la touche contrer. Ouais, donc comme je disais, Shadow of Mordor, j'ai beaucoup préféré par rapport à ça pour l'instant. La liberté et le système de... je sais plus comment ils appellent ça, le commandement des orques là. De hiérarchie. C'était vraiment bien foutu quoi. Et le système de combat qui s'inspire de Batman est bien meilleur. Là c'est un peu bourrin, QTE à tout vent, à tout va. Ouais, c'est ça le système de Nemesis quoi. Le système de Nemesis de Shadow of Mordor qui est très très bien. Éliminer le chef barbare, mais ouais, j'y vais. C'est lequel le chef? C'est celui à cagoule? Il a une cagoule le chef? Ah non, c'est peut-être lui là. C'est celui à corne. Allez, bourrine. Voilà, je vais reprendre un peu de vie.
Hop, 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 j'esquive, j'esquive, tac. Allez, coup de genou. Oh, merde. Allez, faut mon coup puissant là. Merde. Je ne suis pas bien concentré. Putain. Allez, feu! Voilà, la hiérarchie des orques dans Shadow of Mordor, j'ai bien aimé prendre leur contrôle et tu peux le faire monter dans la hiérarchie et qu'ils deviennent capitaine à la fin. Ouais, je trouvais ça sympa. Ça change quoi. Parce que là, c'est joli et tout, mais ça manque de fun quoi. C'est pas ultra kiffant, c'est pas comme un God of War ou un BTA, la Bayonetta quoi. Ou même un Batman ou un Shadow of Mordor quoi. Shadow of Mordor, je m'éclatais à zigouiller les orques, mais là, bof. Oui, toi tu es un héros, tu vas devenir centurion. Marius, tu as prouvé que tu pouvais commander. Ah, j'ai zigouillé une armée à moi tout seul. Le respect de ces hommes. Alors, prends ce casque et porte-le. Merci. Légionnaire! Saluez votre nouveau centurion! Très bien, très bien! Ça suffit! Du calme, soldat! Bien! Maintenant, vous savez de quoi ces barbares sont capables! Ces sales chiens sont prêts à tout pour nous anéantir! Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Rome, c'est la civilisation. Rome, c'est l'ordre. C'est la puissance. Ce doublage, oh, ça et fait rêver. Et ensemble, nous sommes Rome. Ah, il en reste. Ah, c'est même pas un barbare. Commandant, le roi Oswald et ses barbares marchent sur York. Le général Commodus et la 6e cohorte ont attaqué l'ennemi. Mais nous n'avons aucune nouvelle. Sécurisez les derniers navires et déchargez-les.
que les hommes se tiennent prêts. Nous marchons, Turian. Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler... Ah ouais, les barbares, voilà quoi, ils veulent tout détruire. Nous y étions. Bâtard quoi. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Ouais, ouais, là, y a que des combats dans le jeu, tu t'en as à quoi? Jeu console. T'as un légionnaire et tu tues des barbares prenant tout le jeu. C'est un beat'em all quoi. Pas de finesse, hein. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes capturer, pour mec. Sa libération. Tu parles. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. T'inquiète pas, ils vont crever. Où le tien, commandant? Assez. Nous allons mater cette rébellion à ma façon, sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Ouais, ouais, allez. Est-ce que c'est clair, Centurion? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres? Je t'ai promis du sang, tu te souviens? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul. Pas grave, je suis normalement tout seul. C'est aussi joli que ça l'Angleterre, franchement. Il y a des trucs comme ça. Pourtant c'est moche. Normalement l'Angleterre. Il n'y a pas autant de soleil en Angleterre, c'est pas normal ça. Bon, j'admets que là graphiquement c'est joli. Trop joli. Ça pousse trop bien. Voilà, on va se faire attaquer encore, je parie. Je sais pas ce qu'il fout là, le bouclier, mais bon. Ah, des barbares. On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Vous croyez que ils je peux me leur général et ils vont tout me baisser pour le et faire ça silencieusement? Je dis bien quoi que ce soit, donnez l'alarme. À la Splinter Cell. Il est quelle heure? L'heure de mourir. Le pauvre Romain. Ouais, non, là, finalement, l'infiltration, c'est pas trop ça, quoi. Tu te dis, vas-y, je vais me cacher dans la forêt et je vais le faire ça tranquillement. Non, non, je fonce dans le tas et je zigouille. Tu vas mourir. Non, non, toi tu vas mourir. Il doit y avoir des barbares. Par contre, les contraintes d'exécution sur le côté qui te prennent la moitié de l'écran, ça commence à devenir légèrement lourd quoi. Bon,
graphiquement, c'est joli. Mais putain, pourquoi ils ont pas fait un nouveau Crysis ou un successeur de Far Cry, quoi. Parce que le Crysis, le dernier, était pas non plus terrible avec ce moteur, quoi. Mais heureusement, Star Citizen, qui utilise le CryEngine, va tout péter. Un moteur, un vrai moteur de jeu magnifique, et un vrai jeu derrière, ça va être le jeu ultime. Non mais Crytek ils veulent surtout faire du blé quoi. Oui je peux pas traverser, d'accord, je continue par la forêt. C'est joli hein. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment des barbares. Ça devait être la quatrième légion. Ouais. En plus, il y a des pièges, quoi. Faut faire attention. Faut vraiment regarder par terre. Ah, un petit barbare. Un barbare à double épée. Ah, il est rapide le bâtard. Ah merde, c'est vrai qu'il est. Wow. Un peu plus costaud celui-là quand même. Pour vous. Ouais, j'aime bien les. Ah, un piège. J'aime bien les coins sombres, on va passer par là. Boudica nous envoyait ici pour chasser des fantômes. Tu patrouilles dans la forêt parce que t'es un idiot. Ouais, et ça vaut pour nous deux. Aucune légion n'arrivera par là. Si, moi je suis là. Bon allez les mecs. Que le plan de Boudica tient la route. Un Romain. Merde. Un centurion, c'est un sacré trophée de chasse. Mais... Recommence. Ouais, lui, faut vraiment que je l'évite, quoi. Oh, je suis plus concentré, là, c'est quoi ça donne? Putain. Ça commence à être tard là, je sens que mes réflexes commencent à s'émousser. Mais... Yeah.
Encore. Merde. Putain, j'arrive pas là. Mais j'attaque là, oh. Merde. J'ai pas quelques améliorations là. Santé toujours bloqué. Ouais, j'en ai plein. Eh, y a un piège là. On nous a signalé une légion romaine qui tenterait de prendre Akduk. Ça m'étonnerait qu'ils survivent aux archers postés par Boudica là-haut. Alors on se contente de battre. Ça par exemple. J'ai perdu les Romains. Où se cache ta légion? C'est que ça tout le niveau, y'a rien. Hop, encore des barbares. Ah ouais, c'est encore le super rapide. Ah, il est chiant lui. Ah putain. Mais casse les couilles lui. Bon après ça reste pas trop mal comme jeu, c'est tartufable, voilà quoi, à pas cher, ça se laisse jouer hein.
Je pense qu'après, à difficulté supérieure, il doit y avoir moyen d'avoir du défi. Là, je suis anormal, mais ça reste un jeu vraiment console casualisé. Je sais pas, il manque une âme à ce jeu, un truc. C'est super beau, mais voilà quoi. C'est pas technique, c'est... Il manque un truc. C'est joli, mais... Ouais. Il manque une vraie histoire, ou je sais pas, une direction artistique qui sort un peu de l'ordinaire, là... Ouais, je sais pas. Il manque un petit truc pour que ça soit vraiment bien. De ce côté, leur légion approche. Positionne tes archers au bord de la route. Et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Je dois pouvoir monter par là. Ça fait beaucoup de morts, je crois. Ouais, même pas, l'histoire elle est pas passionnante, t'es un centurion, voilà, enfin au début t'es un pauvre légionnaire, tu tues des barbares, tu deviens centurion, tu tues encore plus des barbares, tu vas protéger l'empereur, faut tuer que des barbares, quoi. C'est l'histoire. Ah, c'est de quel côté qu'il faut pousser le truc, là. Voilà. Ouais, exploration 0 et combat stratégique, de temps en temps t'appuies sur LB pour lancer une volée de flèches. Seule stratégie. Hop, ça c'est la seule stratégie du jeu. Ah merde. J'en ai qu'un truc. Je roule. Hop. On peut pas grimper ? Faut forcément zigouiller le mec pour pouvoir grimper. Merde. Allez, approche. Allez, hop, par-dessus. Après, si tu veux trouver tous les parchemins, tous les trucs à collectionner, tu peux aussi augmenter la durée de vie, mais bon, c'est pas passionnant. Hein. Mais ouais, c'est vraiment couloir, hein. Tu sais, tu... C'est Call of Duty, hein. Le truc qui fait 10 mètres de large et t'avances, hein. Même en pleine forêt. Hein. C'est pas le premier Crysis ou Far Cry, hein, où t'es libre. Crysis 1, ça c'est un bon jeu pourtant. Far Cry aussi, enfin le début quoi. Après quand on trouve les aliens c'est chiant. Enfin, je roule. Mais pas là, putain mais... Attends. T'as un putain de truc rouge et j'arrive même pas à le viser quoi. Mais pas le... Putain... Bon, ok. Allez, ta. Hop, déjà. Putain. Voilà. Et encore, ça les zigouille même pas, quoi. Okay.
comment elle a arrêté celle-là? Allez, où la deuxième truc? Par où? Ah. Faut grimper. C'est sympa les collectibles. Ah bah achète comment ça s'appelle? Assassin's Creed. T'en auras pour 3 heures là, ouais. Enfin 3 heures, 30 heures plutôt. Y'a que ça. Ou Far Cry aussi. Je suis en train de faire Far Cry 4 et c'est pas mal dans le style. Ah merde. Dans le style 50 missions à faire qui se ressemblent toutes et des centaines de trucs à collectionner, il se pose là quoi. C'est bon. Avancez. Oh, des archers me tirent dessus. Ah. Non. Oh. Ah. Ah putain, je me trompe de touche. Je suis trop fatigué là. Un autre monte charge. Je commence à fatiguer là. Je dois seulement pousser ça. Plus trop de réflexes là. Vendredi soir. Tu sens que la semaine est passée par là. Pop pop pop, c'est par où éliminer les derniers ennemis. Tout fini là. Ouah, c'est vrai que c'est assez joli quand même, hein. Bon. Ouah, c'est de la forêt. Hein. Mais ça trouve pas le cul quoi. C'est joli mais ça trouve pas le cul, ça sera la pensée du jour. Celui-là. Oh, une gonzesse barbare. Laissez-la moi, je vais me la faire. Boudica. Oh non de merde. Ah, je peux pas me la taper, je suis obligé de la zigouiller. C'est une attaque lourde, et bien vraiment trouver une ouverture dans sa garde. Ok. Si tu veux. En venant ici, tu as signé ton arrêt de mort. Ah ouais. Vous avez trahi Rogue. Des Là je peux pas parer, elle est rouge. Et comment crois-tu que ton empire a été bâti? Ah mais je la pars quand? Tu n'as pas demandé de venir ici. Je suis prête à tout pour défendre le mien. Ah merde. Ta maligne. Ah merde, j'ai pas vu qu'elle était rouge.
Voilà, premier combat du jeu où je galère un minimum. Mais voilà, 30 secondes quoi. Qu'est-ce que vous racontez sur le stream? Elle est moche. Elle est moche quand tu la tabasses. Ouais. Tu peux parer, il faut le faire un peu plus tard quand elle tape. Ah ouais, bon, j'esquive et bon, c'est pas grave. Oh là là, j'ai mal. C'est clair que niveau animation, un Dark Soul, c'est beaucoup mieux. Mais hé. Putain. Bon, ça me commence à me gonfler. On va faire le petit joueur. La colline. Bon, à la fin de la colline, on arrêtera là. Ça fait déjà quelle heure il est, 23h08. Ouais. Ah non, encore la tortue là. Bon, faut faire quoi? En formation. Tortue. Allez. On peut pas lancer les javelots? Voilà, ils sont tous morts. Bah vas-y, balancez là les mecs. Oh, ce strike. Il y a un gros trou noir et on fait la tortue dedans. Allez, Romain. On fait la tortue tout le long là, les mecs. Ah merde, j'ai fait ça. Ouais. On est 10 à lui lancer un javelot de la gueule. Bam. Allez. Jusqu'au bout est la tortue.
C'est quoi ce truc là? Une grotte? Bouclier! Tenez! Je veux connaître leur position! À Bazan! Sur votre droite! Trouve un moyen. Sur votre droite. Quoi? Ah non, là. Occupez-les! Attaquez! À ouais. Mon commandement! C'est un bug le truc qui reste affiché à l'écran là? Parce que bon, c'est un peu gonflant. Je dois faire vite. La ligne ne tiendra pas longtemps. Oh non, le truc il s'arrête pas là. Ah merde, comme un con j'ai foncé dans le tas. C'est pas grave, on va tous les zigouiller. Ça donnera un peu de difficulté au moins. On aurait pu les exploser, c'est pas grave. Gonflant le truc au milieu. Bonne nuit, Shinseiki. Ouais. Ah, stream punition quand même pas, c'est pas mal le jeu. Ça se laisse jouer. Un stream punition, c'est si j'avais joué à Gun Boy Tournament pendant 2 heures. Là j'aurais pété un câble. Même Léa passion vétérinaire, j'aurais pas pu. C'est magnifique cette putain d'icône qui reste clignote en plein milieu de l'écran là. Pas casse-couille. Attends. On peut pas recharger le dernier point de contrôle là, parce que c'est un peu chiant là. Je ne peux pas recharger le dernier point de contrôle. Bon. Historique pour charger, ouais. Mais je contre là-haut les mecs. Il
crève jamais cela ou quoi? Merde, roule! Putain! Heureusement que j'appuie sur le bouton de roulade, hein. Mais roule! Putain! Mais roule là! Putain, mais c'est. Bon, là, je fais de la merdasse depuis tout à l'heure. Oh, j'ai du mal. Oh! Oh. Ah, se reconcentre là. Ok, point de contrôle, t'as dit dans quoi? Historique? Dans historique pour changer, c'est sous historique. Ah putain, je suis vraiment fatigué, je le vois même pas quoi. Oui, tac, paramètres de difficulté. Ah, dernier point de contrôle, ok. Oui. Oh, je voyais même pas historique là. Pouf. Ah, ça va mieux. Capturer Oswald. Oh là là. Ouais, Rada, il y a des succès Steam, il y en a un gros paquet. Il y en a beaucoup, beaucoup. T'en gagnes un tous les 10 minutes, grosso modo. C'est bon, il y en a encore de la garde là. Ah voilà, bah là j'en gagne encore un, tu vois. Encore un succès. N'accepteront jamais la paix si nous les traitons ainsi.
Ça doit être l'œuvre des Prétoriens. Ah, c'est sur la faute des autres. Présente Basilius, le fils de l'empereur. T'as pas froid, toi, comme ça, à moitié à poil, en Grande-Bretagne? Vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... La garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef, Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille. C'est une vraie beauté. Fouettez-la jusqu'à ce qu'il parle, ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Posez-vous ! Le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié! Relâchez ma fille! Je vous en supplie. Voyez, c'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et s'en foutent. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Passionnante l'histoire. Commandant Vitalion, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes des... Ouais, on va retrouver ton frère, on va zigouiller tous les autres en trouvant. Garde, enfermez les prisonniers. Prépare les hommes. Entendez, commandant. Préparez-vous à marcher. Centurion, nous partons au nord. À vos ordres. L'histoire pas du tout prévisible, quoi. Ouais, non, Rada, les cartes Steam, ça sert à être revendu et acheter des jeux Steam. Vitalion mène à nos forces au nord, par-delà les frontières de l'Empire. Seule utilité des cartes. Fin du monde. Nous affrontâmes des guerriers mi-hommes, mi-bêtes. Tellement redoutables que même les légions d'élite romaines n'avaient pu les soumettre. Les paroles d'Oswald nous revenaient à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays. Et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Le fort de Glott. On raconte que ce sont les portes de l'enfer, un lieu lugubre plongé dans des flammes éternelles. Je crains que ce qui se passe ici, aux confins du monde, touche bientôt le cœur de l'Empire. Bon, on va s'arrêter là pour ingénieur, ce soir, je vais pas Antonius, continuer la mission. Auto, ajuste les poules. Par contre, dans historique, donc là, je suis au niveau 5, donc il me reste 4 niveaux. Et donc, en 2 heures de stream, là, on a fait le 2, 3, 4 en fait.
Donc on a fait un tiers de l'histoire en 2 heures, donc ça donne une idée de la durée de vie quoi. Voilà. Euh, 42% terminé au compteur Steam, je suis à 2 heures de jeu. Ouais, 2 heures de jeu au total. Ouais, 123 minutes aujourd'hui, donc je dois être à 2h30, voilà. 2h30 pour faire 42%. Donc ça donne ouais 5-6 heures pour finir le jeu. Et plus le multi, il faudra que j'essaye si ça se laisse jouer ou pas. Et voilà. Ouais, non, j'ai pas envie de faire une partie multi maintenant. De toute façon, en plus, en streamant, jouer au multi en streamant, c'est chercher la merde. Pff, je me contente des jeux solo. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera suffisant. Donc, stream spécial. Santa Booze et Santata. Donc le Santa Booze n'est pas totalement une booze, ça se laisse jouer, mais plutôt sur un smartphone au chiottes, je dirais. Et le Santata, c'est joli, mais il manque quelque chose pour faire vraiment un bon jeu. Ça vaut pas la grosse critique qu'avait fait Kikastouille qui disait que le jeu déchirait. C'est pas mauvais, hein, ça se laisse jouer, ça se laisse tartuffer, je dirais, entre 5-10 euros quoi. Pas un mauvais jeu, pas un excellent jeu. C'est tout ce que je dirais. Faut que je finisse le jeu. Voilà. Prochain stream, ça sera. Ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après. J'espère la semaine prochaine. Je ferai un stream sur. Sur Elite. Elite Dangerous. Pas un stream de spécialiste. C'est. J'ai pas encore trop joué. Je dois avoir 5-6 heures de jeu. Je suis pas riche. Je suis pas allé très loin. Mais vraiment, voilà, pour montrer les principales fonctionnalités et comment tu peux te débrouiller au tout début, comment tu commences le jeu. Et voilà, je montrerai un peu tout ça. Je pense qu'on va se marrer parce que je vais faire quelques merdes, je vais me cracher, je vais me faire intercepter et je vais perdre. Voilà. Mais ça peut être marrant. Et je ferai revenir Zoé aussi. Zoé Voice Attack qui me sert à donner des commandes vocales. Elle sera de retour pour... pour le stream sur Elite Dangerous. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et bonne soirée, et bon week-end et à la semaine prochaine je pense pour un stream sur Elite Dangerous. Allez, salut!